Bonjour, nous voici pour le 32e épisode de Pokémon version éclat pourpre. Après avoir fini la ligue Pokémon en mode Nuzlocke avec succès, nous allons reprendre notre aventure et attaquer la partie post-game du jeu. Alors, je vais aller pour la suite des aventures à Bekinez. Parce que oui, plusieurs quêtes secondaires se sont débloquées. Alors, la belle musique de la Bekinez. L'équipe du jour, bon, n'a pas trop changé. À part que je les ai un petit peu entraînés niveau 98-99 en faisant 5-6 fois la ligue Pokémon hors caméra. Donc l'OTC niveau 98, Florizarre, Shiny. Easy Loki Shiny, inclusif niveau 98. Manière que j'ai mis un niveau de plus parce que c'est le leader, c'est le starter. Donc Prasegali, Instarangal, Metalost niveau 98. Mon Rantard. Tiens aussi niveau 98 et Elinwen aussi niveau 98 l'agro. Attends, je vais fixer un truc. Oui, ils sont toujours les œufs chance. Je vais rester sur les œufs chance pour le moment. La musique épique. Bekinez, une tranche ville. Ça rappelle des souvenirs parce que c'est dans cette ville un peu que j'ai commencé mon let's play filmé. Hein. Ah oui, c'est à Bekinez que j'ai commencé à filmer. Bon, j'avais raté le premier quart de l'aventure, c'est vrai. Allez, parce que j'ai la flemme. Enfin, non, j'ai pas la flemme, je me le fais. Alors, chemin creusé, donc au sud de la Bekinez, et j'ai décidé de parler à Pierre Rochard. Vous savez, il nous snobait, lui, parce qu'il disait qu'on n'était pas assez puissant, et ben maintenant c'est le cas. Bonjour, je me présente Pierre Rochard, je suis passionné de roches, de pierres précieuses et de métaux rares. Je suis aussi le fils du président de la célèbre société Devon, SARL, faut pas oublier le SARL, c'est sacré. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est en ma qualité d'ami de Marc, d'Atalanopolis. Je cherche un dresseur de talent pour me prêter main forte afin de lui venir en aide. Des Pokémon légendaires sont en voie de se déchaîner dans la ville d'Atalanopolis. Tu sembles débordé de talent et de confiance en toi. Oui, j'ai 2 étoiles sur 5. Accepterais-tu de m'aider? Oui. Très bien, direction Atalanopolis, laisse-moi t'y conduire. Avec une musique, tout va bien, la musique de Safrania, hein, alors qu'il pleut. Pierre, j'ai reçu un message de Marc, la situation est bien plus tendue que je ne le pensais. Je reste ici pour surveiller la ville et protéger les habitants au cas où. Va prêter main forte à Marc, vite. Eh ben non, j'ai décidé de parler à tout le monde. Eh oui, c'est cool d'être avec les Pokémon. On raconte que Marc est le dresseur le plus puissant fort de tout Hoenn. Dans Pokémon version Emerald, c'est le cas. Je vais m'endurcir, plus question de tomber amoureuse. Oui, ils auraient dû mettre la musique... Oui, de la catastrophe naturelle. Ce Pokémon sauvage ou snob, comme d'habitude. Quand j'étais jeune, j'étais dresseur de Pokémon et j'ai parcouru le monde. Ok. On va parler à tout le monde, parce que c'est fun de parler à tout le monde. Bon, je fais vite, hein, je trace. J'adore les poupées en peluche. Alors, pour info, on peut pas acheter de poké-poupées dans ce jeu. Ils en vendent pas à Crossville. Tu connais le Pokémon Granicchio? Il se fait rare à Atalanopolis. Ah oui, dans le jeu original, donc Ruby Saphir, eh ben, il nous faut mesurer nos Pokémon et nous donner des récompenses s'ils atteignaient une certaine taille. Donc là, c'est les textes officiels de Ruby Saphir. Et oui, la grotte à explorer. Ah, un Pokémon qui nous stun pas. Oui, on peut faire une plongée dans le chenal 10 dans ce jeu. Mon mémoria. Non, je le savais pas. Enfin, si. Non, je le sais. Mais bon, on n'a pas accès à mon mémoria. Mais quoi, comme c'est toujours sympa de visiter ce genre d'ancienne ville. Ah. Par contre, je sais qu'on peut se faire harceler de Pokémon sauvage ici. Oula, ce bug. C'est fermé. Allez vous faire foutre. Ouais, il est vraiment épique ce bug. Une lancée légende raconte que la Terre et la Mer ont été formées par un combat collectionneur entre deux Pokémon.
On sait pas. En tout cas, il pleut. Allez. On va vite rentrer dans un bâtiment pour initialiser le bug. Et oui, c'est connu que les Pokémon légendaires... qu'est-ce qu'ils vendent là? Ouais, du gros classique. Et là... Ouais, les CT de base. Ça a débugué. Oui, le bug a disparu. Quelle horreur, ce bug. La grotte qui relie à Talanopolis au monde expérience, c'est comme si elle était créée pour empêcher quelque chose de sortir. Ouais, c'est mon imagination. Moi, je dirais plutôt que c'est quoi, vu qu'il y a un effet de vase communicant dans la route, enfin la grotte souterraine qui permet de sortir de la ville, je dirais plutôt que c'est de l'eau de mer, hein, dans le volcan. Alors, en tout cas, la pluie s'est bien filée. Ah, il reste encore combien de maisons à visiter? 2 ou 3. Il semblerait qu'il existe un rapport entre Atalopolis et le monde mémorien. Oui, il y a les orbes. Allez, encore 2 maisons, si je compte bien. Qu'est-ce que tu dis, toi? On sait jamais, hein, si tu dis un truc sympa. Les fans dévoués viennent de l'ordre de Owen. C'est la folie quand je suis allé en fan club dresseur à Nenucric. Oh oui, c'est sûr. J'ai 2 étoiles sur ma carte dresseur. Allez, je pense que c'est le dernier bâtiment accessible. Je suis resté 30 ans à Talanopolis pour améliorer mes connaissances. Ah, Pokémon qui ne snob pas. Il fait son cri. Normalement, ça devrait toujours être comme ça. Alors, comment on accède à la grotte? Ok. C'est assez discret, il faut passer derrière l'arbre. Nostalgie quand tu nous tiens. Marc, est-ce toi le dresseur envoyé par Pierre? 3 petits points, oui. Je suis Marc. Désolé d'approcher la prestation, mais la situation est critique chez moi. Bon, plus vite. Marc, il s'agit de la grotte origine, un lieu sacré. Je ne peux pas y pénétrer malgré cette situation de crise. S'il te plaît, rentre et regarde ce qui perturbe l'harmonie de ce lieu. Alors, je vous préviens, il va y avoir des combats épiques. Merde. Je ne peux pas faire grand chose contre ça. Allez. Attends, je vais changer de Pokémon. Florizarre en premier va pas se faire plus. Voilà. Ouh, Solarok. Alors, Tipsy. Allez, Dracogriff. Je sais plus où le capturer parce que je sais que je l'ai capturé, mais je m'en souviens plus tout où il se capturait. Les Pokémon sauvages, ils harcèlent un peu ici. Allez. Ah, une échelle. Oh, il est shiny. Ouais, bon, on va le capturer. Juste pour la collection. Allez, boule monstre. Ok, c'est le one shoot. Florizarre dans ce cas. Bon, meurtre, ça devrait pas le one shoot. Non, dodo. Allez, c'est bon. Peace ball, on en parle plus. Et hop, ectoplasma, shiny, capturé. Non, merci. Oh non, c'est un shiny, je peux pas m'empêcher de le capturer. Hein. Alors, je pensais pas qu'il serait one-shoot par Easy Lock et tellement de puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, un cœur pour sauvage. Alors, il va falloir mettre une musique épique, donc je vais baisser le son quand le combat va commencer. On sauvegarde, on sait jamais. Voilà, c'est sauvegardé. Arthur, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici que se déroule le plus grand événement qu'a connu la team Aqua grâce à Kyorg. Moi, Arthur, je serai capable d'étendre la mer. L'eau, c'est la vie. Sans eau, pas d'être vivant. La canicule et les sécheresses, pourquoi donc ne pas supprimer tout ça? Je suis ici au début d'une nouvelle ère. Réponse du personnage joueur. On est déjà tassé sur les continents et la montée des eaux risque d'engloutir bon nombre de villes. Mais les utopistes ne voient que ce qui les arrange, je suppose. Toujours si arrogant. Tu comptes m'arrêter? Essaye pour voir. C'est parti.
Ouais, parce que musique de combat classique, c'est de la merde, hein. C'est un boss, alors que je mets une musique de boss, Team Aqua Magma. Alors, il faut mettre la bonne musique. Il pleut. Vas-y. Amuse-toi, ça fait plaisir. Bien sûr, double intimidation. Allez, on se buff. Alors, c'est qu'il m'a débuff, donc faut que je le prenne en compte. Et ça... Que de faire? Ah, ben oui, il me débuff. Allez. Et il y a plus quand il tombe, mais on s'en fout. Si je vais pas me prendre une grosse claque. Ma chouille. Putain, mais il me débuff à chaque fois et c'est une chance sur 5. Hein. Continue. Ouais, faut que je passe en moins à plus 3 pour être sûr de one shot tout le monde. Hein. Sauf que là, il a baissé ma défense et je commence à prendre très cher. Alors, il va me mettre KO la prochaine fois. Donc là, je dois attaquer là. Donc là, la moindre attaque et mon dragon est mort. Hein. Coup critique. Le problème, c'est que je suis à x2 en attaque, c'est pas assez. Tentacruel, non. Bon, j'espère que ça va passer. Un coup griffe, je suis sûr que ça rate pas et personne ne peut résister. Willard, non, c'est bon, je reste. La pluie continue de tomber. Sac à PV. Oh, le sac à PV. Niveau 99. Hein. Le général Omar veut se battre. C'est le colonel Omar, c'est pas un général. Colonel. Comme ce colonel, c'est, je sais pas si c'est supérieur à général dans les grades de l'armée. One shot. Hey, tout va bien. C'est son dernier Pokémon. Non, c'est son avant-dernier. Il continue de tomber. Bon, je sais qu'il a peau dure, mais je fais une Draco Griffe quand même. Coup critique. Ne s't en faire. Allez, je vais pas prendre de risque, je vais faire Draco Griffe pour être sûr de pas rater mon attaque. One shoot. Et voilà, ma dragon s'est fait tout le leader à elle toute seule. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Attends, il faut que j'enlève la musique. 8, c'est bon. Oula, Kyorg semble avoir été perturbé par le combat. Kyorg, le Pokémon légendaire s'est enfui. Non, tu me le paieras. Je me téléporte. Oh, je suis triste pour toi. Mais par contre, il est... Voilà, il trouve... Maintenant, il est officiellement fatigué, donc on va mettre lui. Dragon fatigué. Il a mérité un bon repos. N'ose t'en faire. Qui brûle. Allez. Non, ta gueule. Je fais quoi? C'est la seule chose qui marche sur les Pokémon Spectre. Ténéfix, petit brûleur. Bon, il me fout de la paix ou pas? C'est bon, j'accepte petit brûleur. Ouh, on va encore sauvegarder. Pour une fois qu'ils font les grottes origines avec les deux légendaires au même endroit.
Max, point d'exclamation, je te défie au combat Pokémon. Tiens, visiteur, c'est inattendu. Viens-tu assister au début d'une ère nouvelle? Avec une fonte à air, hein, c'est pas l'ère de la surface géométrique. Nous, la Team Magma, voulons étendre la Terre, éviter les tsunamis et les inondations en profit d'espace étendu pour la faune et la flore. Cette utopie sur le point de se réaliser. Et moi, Max, leader de la Team Magma, je serai à l'origine de l'avènement de cette utopie. Et cela grâce à Groudon. C'est du goudron. Quelle idée absurde! La faune et la flore sous-marine existent aussi et perturbent l'équipe du monde pour planter plus de pommes de terre. Cela ne semble pas être un si bon programme que ça. Ouh, quel cynisme et quelle arrogance! Tu es donc ici pour me mettre des bâtons dans les roues. Approche, je vais faire en sorte que tu ne nuises pas. Allez. Le combat est lancé par Leader Magma Max. Aliena. Le mieux c'est que je résiste au queue de fer et en mâchouille cette fois-ci. Mais il faut que je fasse de la gonflette. Petit peu de gonflette. Façade, bon c'est bon, ça devrait pas faire trop mal. Allez, je gonfle encore les muscles. Je fais mon échauffement, c'est de la culture physique. Vas-y, mâchouille, mâchouille, si tu veux. Ce n'est pas très efficace. Il faudrait que je le fasse 4 fois et normalement c'est bon, je devrais pouvoir tout m'enchaîner. C'est bien parce que je monte ma défense. Ah, il a baissé ma défense. Donc du coup, je vais le faire une fois de plus. Miam miam. Un 14 dégâts. Il a tout bien mâchouillé. Bon allez, je suis à l'attaque x3. Ça devrait quand même. J'aurais déjà tout balayé. Raté. Maintenant tu vas te faire un stratopercute dans ta tronche et ça va être un overkill. Allez, overkill, c'est super efficace. Ossature. Non, même si c'est un Pokémon type sol, je vais le battre. Retour. Allez, plein de bisous de ma part. Mais oui, ce sont des bisous. C'est une attaque qui envoie des bisous sur le Pokémon adverse. Niveau 100. ATV max plus 4. Donc ça sera les stats définitives, 325 d'attaque. Faut juste que je fasse gaffe à la défense P. Camérupt. C'est un Pokémon de type sol. Qui a dit que le type feu est désavantagé face à un type sol? Une petite attaque de type normal. Et ça parle aussi tranquillement. Ne s't'en faire. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Par contre, j'ai peur qu'il soit plus rapide que moi. Et croc fatal. Ça enlève la moitié des points de vie. Restant, je précise. Ah oui, gonflette, c'est pas d'entraco, ça monte pas la vitesse. Des molosses, non. Allez, stratopercute. Juste pour l'overkill. Ouais, parce que sachant que de base je one shoot non buffé alors qu'il est buff, c'est un overkill. Arcane, voulez-vous changer de Pokémon? Non. Par contre j'ai peur qu'il soit plus rapide que moi. Alors retour il va être one shoot c'est sûr. J'espère qu'il va pas faire un coup critique, c'est la seule chose que parce que là il m'achève. Oh, oh il a survécu. Ouais, coup critique ignore tous les bonus de défense hein, du Pokémon attaqué. Vous avez battu Leader avec 6 points de vie. Non, mon utopie. T'as failli tuer mon bras Zegali. Non, mais il a survécu. Oh, ça, j'aime bien quand les Pokémon. Je peux leur faire confiance. Groudon, donc c'est du goudron, ce qu'on met dans le bitume là sur la route, semble avoir été perturbé par le combat. Max, non, mon rêve, par ta faute, il est brisé, je ne t'oublierai pas.
Oh, je pleure pour toi. Bon, vu qu'il est dans le rouge, ben. On remplace qui du coup? Allez, lui. Bon, il faut quitter cette grotte. Que l'on je fais quoi? Casse-brique. Au revoir. Allez. Mâchouille. Allez, tout le monde passera au niveau 100. Mais bon, la symbolique que c'est Brazegali qui est le premier à passer niveau 100. Hein. Bon, je mets le turbo pour les Pokémon sauvages, histoire de pas trop faire perdre de temps. Merde, j'avais fait une mauvaise attaque là. Alors, bonjour. Mork, merci Anarion. Grâce à toi, cette ville a retrouvé sa sérénité. La pluie devrait bientôt cesser et tout rentrera très vite dans l'ordre. Pierre, bien, nous avons fini avec ce que nous avons à faire ici. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre le son normal depuis que j'ai fini le combat. Rentrons. Pierre, merci beaucoup. Sans ton aide, tout ceci aurait été bien plus compliqué. Prends cela au gaz de ma gratitude. Obtenu, passe pour climat. Nos chemins se séparent, donc ici, au revoir et encore merci. Merci pour le passe climat, au passage. On va quitter cette grotte à la con. Alors, la sortie la plus rapide, elle est ici. Vous l'aurez compris, l'épisode va continuer. Hein. On va se faire les Pokémon légendaires. Alors, on va commencer par mon pic. Oui, il fait froid, je sais. Bon, je regarde juste un truc. Déplacer Pokémon, shiny. Résumé. Shiny, shiny, c'est bon. Non, je vais continuer à gérer les boîtes. Je me mets sur la boîte légende. Parce que oui, je vais capturer des légendaires. Alors, cette quête secondaire, hormis le plaisir d'aller vaincre cette grotte est sombre. Alors, par contre, j'ai pas envie de me faire chier avec des Pokémon de bas niveau. Sac. Je le fais d'habitude jamais, mais là, je vais le faire. Mux repousse. Parce qu'il va falloir que je traverse le volcan pour aller chercher Groudon. Et vu que les Pokémon sont niveau 30, j'ai pas envie de taper du Pokémon niveau 30. Hein. Vas-y, monte sur Arcanin pour ne pas te brûler. Alors le Arcanin qui est horriblement lent, hein, au passage. Heureusement, il y a un petit peu le turbo. Alors, il me faut que je me rappelle de où sont les... Non, c'est ici. Vous savez les racailloux qui vous bloquaient le chemin? Alors je sais plus dans quel épisode j'étais passé à mon pic. Ah mince, c'était pas là. Non, là, il faut que je retrouve où c'est. C'est lent. Bon, ils sont où les... Là, ils sont là. J'ai oublié de faire une action, là. C'est quoi ce bordel? Il me semblait que ça débloquait automatiquement les légendaires. Bon. Ellipse, je vois où ça bloque. C'est bizarre, mais pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que ces racailloux dégagent du chemin. Donc, ellipse.